Good morning, allez, Yiden, et ce sera aujourd'hui le lundi matin par mon Ben Israël, va venir David, Ben Fortuna, Mazal Fritna, Dvora, Bat Esther, Amramiona, Ben Chana, et Shimon, Ben Yeléo, et Koka. Si vous souhaitez aussi des lieux, une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions Mesrat, tout votre père, Gdalet, Mishnah, Tet, Nishbet, Chayav, Livdota, Ve'im, Amar, Are, Gita, Uktubata, Tivde, et Atzma, Enorashai, Lakta, Chayav, Lerapota, Amar arei gita uktubata terapet atzma rachai, excuse-moi. Alors, maintenant, on est en train de... C'est un peu compliqué comment ça... Faut tenir le fil directeur de toute l'émission, c'est pas tellement compliqué. Mais juste, on a eu l'occasion de découvrir qu'est-ce qui est écrit dans la ktuba avec un sujet général. C'est lorsqu'on écrit d'écrire, lorsqu'on oublie d'écrire une condition dans la ktuba, qu'on est quand même engagé parce que Rami m'a instauré. Du coup, on a commencé à parler de toutes sortes d'engagements que le mari a. Dans la Mishnah précédente, on s'est mis à parler de l'engagement que le mari a le devoir de racheter sa femme. Du coup, on va faire une petite parenthèse pour arrêter de parler des omissions dans le contrat, pour parler du devoir exact de racheter sa femme. D'accord? Vous avez compris comment ça se passe? Finalement, non, c'est tout bas, tout ce qu'on parle, ça touche aux engagements du mari avec sa femme. D'accord? Donc, Nishbet. La femme a été prise en captivité. Chayav Livdota, le mari a le devoir de la racheter. Parce qu'il s'engage dans la Ktouva à racheter sa femme. Vous avez rapporté dans la Mishnah précédente quel était le montant exact, jusqu'à combien le mari l'engageait. Vous avez rapporté qu'il y a deux avis dans la Gemara, il me semble que la halakha est établie comme Rabbi Shimon ben Gamliel, Rabbi Shmuel, j'ai plus, qui nous dit que jusqu'à une fois pour le prix d'une femme au marché des esclaves, pour éviter que ça devienne une mode un peu trop facile de prendre tout celui qui a besoin d'argent, il prend une femme en captivité, il lui dit vas-y, dépose une rançon, dépose la valise là-bas, et puis hop. Donc du coup, Rami, on l'imitait jusqu'à une fois. D'accord? Donc, Nishbet Chayav Livdota, si elle était pendant la captivité, il a l'obligation de la racheter. Vim Amar Arigita Oktubata. Maintenant, lui, on lui demande de payer une fortune, ou de payer, ou même, il n'a pas. Il dit, vous savez quoi? Qu'est-ce que je me prends à la tête, moi? Je me suis engagé, moi, que le jour où je la divorce, je lui donne 20 000. Nachon. Lui, le gars qui l'a pris en captivité, il demande 50 000. J'ai pas les moyens, moi. Vous savez quoi, le Beit Din? Regardez. Jusqu'à maintenant, c'était ma femme. Aujourd'hui, ça arrête d'être ma femme. Je lui transmets son guet et je lui transmets ça que tout va aller 20 000. Qu'elle se débrouille avec, elle demande à son père ou à sa grand-mère. Est-ce que je peux ou pas? Et la réponse, elle est que non. Eno Rachai, il n'a pas le droit de faire ça. Parce que mon cher ami, tu t'es engagé au moment du mariage que le jour où elle sera prise en captivité, tu devras la racheter. Et maintenant, ça lui est tombé dessus. Il a l'obligation d'assumer son devoir. Ouais? Une fois qu'on a eu le devoir, je me suis engagé. Maintenant, c'est trop tard, je ne peux plus me décharger. Par contre, l'acta chayav le rapota. Quand sa femme elle est malade, il a l'obligation de la guérir. C'est vrai. Ça veut dire que le mari il doit faire des pieds et des mains pour que sa femme elle soit sur pied, qu'il la remette, qu'il la guérisse. Mais par contre, amar are gita uktubata. Si toutefois il dit, hey, moi, la guérir, j'ai pas les moyens. Ça me coûte trop, trop cher. Je peux pas assumer. Je lui propose. Ouais, pour le moment, je me suis engagé, moi, à lui payer 20 000 de Ktouba. Maintenant, avec ces soins médicaux, ça me coûte 1000 par mois. Alors, je vais tenir pendant 20 mois, mais après, je ne vais plus pouvoir. Qu'est-ce que je veux faire? Vous savez quoi? Je préfère la divorcer, je m'arrête là. On coupe la gangrène tant que c'est pas trop tard. Désolé pour la femme qui s'appelle gangrène, la pauvre. Et je lui laisse les 20 000 avec son guet, qu'elle fasse ce qu'elle veut. Là, j'ai le droit de le faire. Parce qu'en fait, l'engagement du mari, de guérir sa femme, c'est un engagement qui est constant. Il y a en fait, en réalité, il faut savoir qu'il y a une marque dans la Gemara. Dommage que le temps, j'ai préparé mon coup, je ne vous ai pas apporté pour la Lacha. C'est pas retenu comme ça. Il me semble qu'il a quand même le devoir. Je sais plus, il y a des différences selon le cas. Il y a des fois où c'est des choses. C'est-à-dire, la Gemara, le principe, il est comme ça. Le mari, il a un engagement de donner à manger à sa femme. Mais si sa femme, elle mange trop, il n'a plus les moyens d'assumer. Il a aussi une autre possibilité. Qui divorce sa femme, qui paye l'engagement de la Ktouva en plus. Et après, qu'ils lui disent, écoute ma chère, qu'est-ce que tu veux avec ton... Prends tes 20 000, pars, manger autant que tu veux, finis ton capital, puis après, tant pis. D'accord? Il a la possibilité de... Là, le chidouche de la Mishnah, il nous explique en fait que guérir sa femme, c'est comme la nourrir. Et au même titre que la nourrir, tu as l'obligation tant qu'elle est mariée. Tu décides de ne... T'as plus les moyens, bah, tu payes ta dette, ta dot, tu payes tout à tout bas. Et après qu'elle se débrouille, elle, la même chose. Avec le, donc ça c'est la même chose pour la nourrir, ou bien même pour aussi le devoir de refoua. C'est un frais qui est constant. D'accord? Tu as l'obligation maintenant d'assumer tant qu'elle est ta femme.
Tu vas assumer 10 mois, 12 mois, 15 mois, quand la cavote, tu payes pour le moment 1000 tous les mois. Après le 15e mois, ça arrive que maintenant, il n'arrive plus à assumer le pauvre, on lui dit quoi, si tu veux, tu lui payes les 20 000, parce que ton engagement, c'est de te décharger de ta femme, tu lui payes les 20 000, et dans ce cas-là, qu'elle s'assume elle-même, d'accord? Tandis que pour l'engagement de racheter de la captivité, là, c'est en... Dès que ça s'est passé, qu'elle est en captivité, tout de suite, il s'engageait à payer toute la... tout le devoir que les kidnappeurs ils vont lui réclamer, donc il a l'obligation de le payer, il ne pourra pas dire, je préfère le divorcer, je le paye cette fois. Il a l'obligation, il s'engageait que dans cette situation, il devra payer ce qu'il faut. Ok? Même principe, en fait, si je peux dire aussi. Si sa femme, elle a été malade, non, je préfère pas, d'accord, on a compris le principe, il va être là. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Sela.